Bonsoir les enfants. Donc on travaille aujourd'hui la production de l'écrit. Toujours le nouvel espace, deuxième unité didactique, la vie artistique et culturelle. Donc reconstituer un texte narratif. Donc un texte où on narre, où on raconte. On raconte des événements, quelque chose qu'on a fait ou bien qu'on compte faire. Alors, dans l'image, il y a le jeune artiste brandissant le Saint-Coran et le drapeau marocain et contemplant le drapeau marocain avec des rubans de décoration. Ici, c'est les spectateurs, c'est des enfants, des spectateurs. Et on lit les phrases dans les deux encadrés. Notre école célèbre la fête de la Marche verte. Au début, nous avons chanté l'hymne national. Ensuite, chaque classe a présenté une activité artistique. À la fin, nous avons pris des photos avec notre directrice et nos professeurs. Donc, regardez les phrases ici. Essayez de comprendre le texte. Donc, ici, c'est on raconte. Donc, c'est un enfant qui raconte. Ce qu'ils ont fait le jour de la cérémonie à l'occasion de la fête de la Marche verte. Alors passons au texte orange. À la fin, nous avons pris des photos avec notre directrice et nos professeurs. Regardez, à la fin, à la fin. Notre école a célébré la fête de la Marche verte. Ensuite, chaque classe a présenté une activité artistique. Au début, nous avons chanté l'hymne national. Vous voyez les phrases ici. Donc, on va voir. Combien y a-t-il de phrases dans chaque encadré? Alors, venez compter les phrases. 1. 2, 3, 4. Donc, dans le premier encadré, il y a quatre phrases. Et le deuxième encadré, regardez, c'est la phrase 1, c'est la phrase 2, c'est la phrase 3, c'est la phrase 4. Donc, les deux encadrés se composent de quatre phrases. Donc, vous écrivez ici quatre phrases dans chaque encadré. Troisième question, les phrases sont-elles les mêmes dans les deux encadrés? Donc, vous lisez les deux encadrés deux à trois fois et vous allez trouver que les phrases de l'encadré vert sont les mêmes de l'encadré orange. Donc, on écrit oui, elles sont. Pardon, donc minuscule. Elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Dans quel encadré les phrases suivent-elles le bon ordre? Donc, on fait un isolement de quelques indicateurs de temps. Par exemple, j'ai ici au début. Au début. Donc ça exprime le début de quelque chose. Ensuite, une action qui suit le début. Et à la fin. Et pour la première phrase, il s'agit d'une petite présentation
du texte. Donc, pour le texte orange, ils ont commencé par à la fin, à la fin. À la fin, nous avons pris des photos avec notre directrice et nos professeurs. Donc, c'est une action qui est à la fin de la cérémonie. Notre école a célébré la fête de la marche verte, ici ensuite, ici au début. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, dans quel encadré les phrases suivent-elles le bon ordre? Donc, c'est dans le premier encadré. Le premier encadré qui est bien ordonné. La partie je m'entraîne met en ordre les phrases suivantes pour reconstituer le texte. Donc toujours, on lit d'abord les phrases, on les relit, on essaie de comprendre le contenu. Après, on isole les indicateurs de temps s'ils existent. Et après, on met en ordre les phrases pour reconstituer un texte. Donc, dans la médina, j'ai découvert de beaux produits artisanaux. J'ai acheté parmi ces produits des cadeaux pour ma famille. J'ai visité la ville de Sawera. Donc, qu'est-ce que vous dites? Quelle phrase sera la première? Alors oui, voilà la première phrase. Voilà la première phrase. Donc, j'ai visité la ville d'Essaouira. La deuxième phrase, c'est ça. Dans la Médina, j'ai découvert de beaux produits artisanaux. J'ai acheté parmi ces produits des cadeaux pour ma famille. Alors, premièrement, il a parlé de sa visite à la ville de Sawera. Donc, après, il est parti à la Médina. Donc, il a découvert des produits artisanaux. Et bien sûr, il va acheter des cadeaux pour sa famille, ses parents par exemple, ses frères, ses sœurs, ses amis par exemple. Et enfin, je produis, reconstitue le texte suivant. Donc, on lit phrase par phrase et après, on le met en ordre. Le matin, j'ai découvert les stands des livres exposés. C'était une journée magnifique. Dimanche dernier, je suis allée au salon de l'édition et du livre de Casablanca. L'après-midi, j'ai participé à plusieurs ateliers. Alors, regardez, j'ai ici le matin. Dimanche dernier, l'après-midi, c'était une journée magnifique. Donc, cette phrase sera bien sûr la dernière. C'est comme conclusion pour la journée qui a passé. Donc, le petit enfant raconte sa visite au salon de l'édition et du livre de Casablanca. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire dimanche dernier. Je suis allée au salon de l'édition et du livre de Casablanca. Donc, le matin précède bien sûr l'après-midi. Donc, le matin, j'ai découvert les stands des livres exposés. L'après-midi, j'ai participé à plusieurs ateliers. Et pour conclure sa narration, pour conclure ce qu'il raconte, donc il dit, c'était une journée magnifique. C'était une journée magnifique.
Donc, il exprime sa joie. Donc, ici, vous allez écrire cette phrase, la première, après cette phrase, et cette phrase, et à la fin, vous écrivez, c'était une journée magnifique ici. Vous n'allez pas mettre les nombres ici. Vous allez écrire un texte. Et merci.